crois pas qu'on trouvera beaucoup d'hommes décents par là. On ne recherche pas d'hommes décents. C'est des mercenaires qu'on recherche. On n'a aucune chance de prendre la forteresse sans eux. Si on tient assez longtemps pour engager des hommes avec ces choses qui rôdent par ici... Croiser les doigts pour pas me trimballer un cadavre. Ce serait un peu bizarre, hein? Mes hommes... où sont-ils? Ah... navré, mon gars. Ils ont eu moins de chance que toi. Merci de m'avoir sauvé. Oh, j'ai rien fait. C'est elle? Cette petite chérie tient pas en place, mais elle devrait te mener à mon camp sans problème. J'en ai une toute nouvelle pour moi. Avec les soucis en moins. Les soucis? Un conseil pour la montée. Si t'as le vertige, regarde en haut. Et si t'aimes pas le cul des nains, regarde en bas. Cet appareil, tu l'as construit? Pas la peine de me flatter, mon gars. Je t'ai déjà sauvé la peau. Non, ça c'est numénoréen. On trouve de ces bidules un peu partout. Ils remontent à loin. Très utile. Le truc, c'est d'attraper sans que les vers t'attrapent toi. J'ai trouvé quelques endroits prometteurs. Je les ai tous notés. Rapporte-moi ce que tu trouves. Je le bidouillerai jusqu'à ce que ça marche. Ou j'en ferai autre chose. Ensuite, tu t'occuperas des essais sur le terrain. Pour vérifier que ça risque rien. Ça te convient? C'est parfait! C'est pas l'endroit le plus pratique qui soit si on veut emménager avec des meubles. Mais l'avantage, c'est que les vers peuvent pas grimper. Alors, qu'est-ce que tu fabriques si loin du Gondor? Je cherche les fils disparus. Une compagnie de mercenaires. Ouais, j'en ai recruté quelques-uns pour chercher des bidules de Numenor. Et donc, je dois à leur chef de trois... mercenaires. J'ai exactement ce qu'il te faut pour les rejoindre. Mais leur raconte pas où je me trouve. Qu'est-ce que je dois faire? Te jeter du bord de la falaise. Me jeter du bord de la falaise? Et tiens... voilà les endroits où tu peux fouiller pour trouver des objets numénoréens. Allez, vas-y! Je m'en suis servi moi-même. C'est impeccable! Allez, mon gars! Tiens, je vais t'aider. Un, deux... trois! Tu vois, mon gars, c'est rien du tout! Mais quoi que tu fasses, surtout tu... tu verras bien! Je verrai bien quoi? Très bien, c'est...
bien. Je commence à prendre le coup. Il suffit de ne pas y penser, c'est tout. Je m'appelle Baranor. Je suis capitaine de la garde du Gondor à Minas Sithil. Minas Sithil est tombée. Il y a quelque temps, il me semble. Je cherche des soldats. Difficile d'être capitaine sans hommes. Mais par chance, j'ai les meilleurs guerriers de toute la Terre du Milieu. Tu as de quoi payer sur toi? Un peu. Un peu? Il va t'en falloir plus qu'un peu. C'est pour faire quoi, au juste? Tu ne comptes quand même pas reprendre Minas Sithil? Je compte conquérir Shindram. La forteresse? Non. C'est un travail de héros. Je n'ai que des mercenaires à t'offrir. Reviens donc quand tu auras plus d'argent. Ou de bon sens. Warad. Comment connais-tu ce nom? Ah, tu n'as pas changé! Je revois ce garçon de 7 ans. Petit pour son âge, qui voulait faire ses preuves et qui a décidé un beau matin d'explorer les cavernes d'Umbar. Mais une fois là-bas, il s'est attiré quelques ennuis. Heureusement, il avait un frère, un grand frère beau et courageux, qu'on avait envoyé à son secours. Et le temps que son sauveur le trouve, il était sur le point de finir dans le ventre des Karagor. Les Karagor? Jagai? Non, petit frère. Maintenant, on m'appelle Serka. Serka, l'invincible. Serka, l'insupportable. Serka, le survivant. Mais je garde des cicatrices de ma vie passée. Comment t'es-tu retrouvé ici, parmi ces orientaux? Des contingences. Un village mis à sac, des maisons qu'on pille, des pères et des mères qu'on massacre, les cris, les larmes. Des orques? Des mercenaires. Mais alors, comment ça... Au fond, je leur dois de la gratitude, tu sais. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir été élevé par une joyeuse bande de tueurs et de bandits. Mais tu es leur chef. Jusqu'à ce que je me prenne un couteau dans le dos. Crois-moi, c'est comme ça que finissent tous les chefs. Mais je t'en ai assez dit. Les liens du sang sont une chose. Toi et moi, nous devons faire affaire ensemble.